Thierry Toussier, je suis médecin de santé publique et sexologue, professeur à l'université Paris-Diderot, dans lequel je suis responsable du pôle santé sexuelle, sexologie et droits humains. Et par ailleurs, je travaille à la direction générale de la santé, au ministère chargé de la santé, sur la promotion de la santé sexuelle en France. J'attends de la CNFU essentiellement deux types d'actions. La première, qu'elle nous soutienne en visibilité pour toutes les actions de communication médias, nationales et internationales. Sa présence est indispensable. La deuxième action, c'est qu'elle nous aide à établir un réseau entre les différentes chaires en France afin que, ensemble, nous puissions promouvoir les objectifs de développement durable, chacun dans nos thématiques personnelles. L'avenir de l'UNESCO par rapport aux chaires UNESCO, bien évidemment, au moins trois axes. La première, c'est soutenir les chaires UNESCO dans un ensemble de réseaux afin que les objectifs de développement durable soient mis en réseau avec les différentes thématiques des chaires. La deuxième, c'est permettre aux chaires de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie dans chacun de nos thèmes et de nous soutenir dans ces actions. Enfin, le troisième, c'est que j'attends de l'UNESCO qu'il y ait, que les chaires puissent participer aux différentes actions expertise que l'UNESCO en charge, plus particulièrement en ce qui concerne l'éducation. La chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains a comme principale mission de promouvoir les objectifs du développement durable en lien avec la santé sexuelle et les droits humains. Pour cela, nous avons créé, avec l'autorisation des Nations Unies, une roue que vous voyez sur les 17 objectifs du développement durable et les cibles concernant à atteindre pour 2030 concernant la santé sexuelle et les droits humains. Par ailleurs, la chaire UNESCO aide, participe à différentes promotions à travers le monde de la santé sexuelle. Pour la France, nous avons participé à l'élaboration nationale de la stratégie de santé sexuelle qui a été promue par la ministre de la Santé Marisol Touraine le 28 mars 2017.